I'm gonna
Thank you.
Thank you.
Alright, that must be a goal. The split seemed very good. And zero blue balls. Must be a goal. Thank you.
Hey, how are you doing? Bon, pour parler en français, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Je vois pas mes splits. Mais je présume que j'étais sur un bon pace parce que je pense que j'étais légèrement derrière ou devant, enfin proche de l'égalité après Hera. Et je pense que j'ai eu un bon gold à Games Tower. Bon, très bon split et zéro blue ball. Donc, et là, c'est split correct. En plus, raté mon split de début. Non, oui, je présume que je suis en avance, mais j'ai du mal à dire de combien. Et je veux pas savoir de combien je suis. Je dois être à quelque chose comme moins 30 là à peu près, je dirais. Je suis bien. De faire un item dash. Je suis assez déçu par le premier item dash. Franchement, le hammer dash, c'est rare d'être mal placé comme ça au moment de faire le dash. J'ai dû arrêter parce que j'étais sûr de bank. Le pixel window est pour faire l'item dash correctement. On s'habitue, il y a toujours des mouvements bizarroïdes, mais on s'habitue.
Oh, le lag. Tutoriel, je sais plus si je dois utiliser le marteau sur ce pot ou pas. Wow. Bon bah le pace était encore plus hot. Disons que ça a rattrapé les erreurs du début de speed. Ouais, je me réentraîne sur cette pièce, c'est pas exactement ce qu'on fait avec cette RNG là. Surtout quand on a les beams, faut le slasher en haut pour avoir le temps de poser sa bombe. Non, ça reste un beau speed encore. Hein. Non, putain. Non, s'il vous plaît. Putain, fais chier. Faut que je me réentraîne sur ce boss là aussi. Y a un truc qui va pas sur mon troisième. Sur mon troisième hit. Sur mon début de troisième cycle, y a un truc qui va pas. Je perds 5 secondes inutilement là. Je vais pas me faire toucher comme ça, je sais pas. Je sais plus exactement quel pixel faut que je me place. Je pense que le faut que je reprenne surtout mon ancien Visual Q. Le bon qu'il est intéressant, mais au final, je sais pas trop comment me placer après. Faut retravailler. Ouais, mais j'ai eu peur en haut. Je me suis vu descendre à 4 coeurs, je me suis dit putain, je suis à 2 hits de mourir. Ouais. Perdre un peu de temps. Thank you.
Non, je suis pas derrière, mais je suis perdu un chouïa de temps quand même. Ou alors, c'est-à-dire que j'aurais dû avoir un gold. Hein. Putain, j'ai du mal sur mes spin speed aujourd'hui. Zéro? Ouais, c'est-à-dire que j'aurais dû avoir un gold. Et quand tu calcules le mauvais boss plus mon item dash. Ah, c'est vite vu en fait. Hein. Genre, mon vrai gold est un 7-14. Je dois avoir un vrai gold facilement sur ce split là. Avec un godly pixel hein, par contre. Hein, mais. Qu'un bon, un godly pixel et un bon split, c'est un gold easy quoi. Ce genre de section, ça fait du bien quand ça passe correctement. C'est original la façon de passer ça. Je suis vraiment deg quoi. Cette arène. La strat fonctionne très bien. Putain, maintenant 4 coeurs quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de risque, pas de risque. Merci. Ah, oh, merci la RNG. Ouais, ça compense, ça compense. Ça aurait pu être vraiment pire. De toute façon, on peut pas y avoir de. C'est un run tellement long, on peut pas y avoir de run linéaire. Il y aura du suspense jusqu'au bout. Si on fait ça. J'aurais dû aller pour le dash malgré tout, c'est pas malin de ma part. Il y aura du suspense jusqu'au bout.
contre, vu comment c'est parti, je peux pas prendre le risque ici. Allez, il a une chance sur deux. J'aurais bien pris, il a une chance sur deux. Demander si on pouvait se faire avoir ici. Et comme ça m'arrivait jamais, je croyais que non. Et ben non. On apprend à tous les runs. Hein. L'air d'être trop gourmand, bordel. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, va falloir que j'attende. Je suis obligé d'attendre. Non, j'aurais pu jouer autrement probablement. Mais... ouais, le gars il était pas ultra bien placé. Solide. Par rapport au fait que j'avais pas les sword beams, c'est solide. Et je vais arriver avec un nombre de cœurs assez correct. 7. Ouais, 7, c'est bon. Pareil, je m'en sors plutôt bien par rapport à la tronche du split au début là. Je limite la casse. Condition que j'ai un bon boss, hein, évidemment. Évidemment, c'est pourri.
Bon, le gars était pas obligé de se barrer en bas à droite. Mais bon. Pas possible. Bizarre, j'ai pas de drop frame. Comme je disais, j'ai pas de drop frame. D'après XSplit. Est-ce que ça vient de Twitch? Est-ce que ça vient de chez toi? Je sais pas. Est-ce que mon XSplit me dit de la merde? Ok, bon, tête de Twitch. Thank you.
Incroyable. Il m'a éjecté alors que j'étais dans la porte quoi. C'est ça sur lequel il faudrait que je me réentraîne là. Ouh, ça c'est un bon drop ça. Ça c'est un bon drop. C'est bon. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, c'est une option. Hein. Moi c'est l'inverse, il faudrait choisir du Master Sword. Sans j'y pense. Quand je vois mes Light World, je suis là, putain. Ouais. Faire quelques streams de Master Sword serait pas mal. Bon, le split est bon, hein. Globalement, il y a quelques erreurs, mais... c'est loin d'être une cata ce split. Je me dis, tu vas faire deux streams de Master Sword, deux streams de 2 heures. Ouais, c'est. Moi, je reste toujours persuadé que j'ai le plus mauvais Light World parmi tous les sub 1.30. J'ai jamais vérifié. Et j'en suis persuadé. Bon, j'avoue, je commence à stresser un peu. J'avoue. Je plaide coupable. Pourtant, faut pas, c'est pour ça que je regarde pas mes splits, normalement. Thank you.
RNG. J'ai plutôt bien sauvé mon Mayor 2 par rapport à la connerie que j'ai fait au début. J'ai dashé trop sur la droite. En retard, faut que je donne tout là, faut que je donne tout. Si j'ai que des golds, c'est bon. Ça passe. C'était bizarre, mais ça passe. Voilà, c'est un bon split pour l'instant. Je commence à avoir les yeux éclatés aussi. Fin de la ligne verte avec ma copine plutôt dans la soirée. Je pense que ça aide pas. Putain, pas de miroir. Je pensais vraiment avoir fait miroir. Ouais, très bon film. Ça. Je vais faire un dernier spin parce que je savais que c'était pas un zéro cycle. Mon deuxième spin n'était pas bon. Ah, la mienne déteste Harry Potter. Oh, après j'ai un bon souvenir du La Chambre des Secrets. Peut-être parce que j'étais jeune quand je l'ai vu. Moi j'ai jamais lu les livres par exemple et j'ai vu j'ai dû en voir 4. Je crois que j'ai vu que les 4 premiers. Prisonnier d'Azkaban, compte à moitié, je l'ai vu en allemand. Donc, non sous-titré. Donc, bon. Ça va être difficile d'émettre un jugement, on va dire. Oh, c'est un très bon split, sinon. Enfin, un goal, mais c'est un très bon split. Thank you.
ça passe. Ouais, je suis toujours très en retard, je sais. Attends, je crois que sur mon balance PB, il y a du temps à gagner en général sur Meyer. Heureusement, quand j'ai l'extrait, en général, ça passe bien. Pas mal. On voit que j'ai progressé manette et que j'ai des meilleurs setups qu'avant parce que cette section-là, avant, je ramais sévère. Bon. Pas confiance de passer au milieu. Ouais, ben moi c'est pour ça que je suis passé au balance PB, c'est que en fait notre corps personnel représente rien par rapport à nos compétences. Le balance PB est beaucoup plus représentatif du niveau qu'on a réellement. Incroyable, incroyable. Et je dois avoir la fée, hein. Le prochain, c'est une fée. Pour l'instant, 0 sur 4. Une chance sur 16. Il y en a deux qui arrivent là. On peut quand même espérer avoir une fée sur l'un des deux. Ouais, je prends là, je prends. J'aurais été limite, honnêtement, j'y serais pas allé. Ah putain. Capable d'ouvrir un coffre. Pour l'instant, c'est safe. Mais plutôt bien pour un truc safe. Pour l'instant, c'est clair que je gagne du temps, quoi. Ça, c'est cool, je suis le gars. Ça, c'est excellent. Oh putain, j'ai tellement pas cru à mon dash. Je sais pas pourquoi je vais pour cette strat là.
Bon, je dois quand même gagner du temps si je fais pas trop de la merde. Et c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux la fin, là. Bon, ça reste pas mal, ça reste pas mal. Faut pas... Bon, bah en fait, j'ai pas besoin de ma fée, hein. Bon, je gagne du temps là, c'est sûr. Ouais, ça c'est une 40. Ouais, je suis probablement sur un pace 1.27. Ouais, je suis probablement sur un pace 1.27 là. Un peu couillon de rater l'item dash encore, hein. Spin speed, item dash, ça n'a pas été mon fort ce run. Oh non! Oh non, je prends les filles là. Là, je prends pas le risque ici. Oh putain! Oh putain, la connerie! Oh la connerie! Oh la connerie, quoi! Oh putain, la connerie! Thank you.
Eh bien, j'ai bien fait. Encore avoir un stop une 40, mais ça va être limite. Hein. Le une 27 il est mort, mais le stop une 40 je pense qu'il est encore bon. Bon RNG. Très bon RNG. Hein. Moins bon RNG. Je sais pas trop quoi faire avec cette RNG là, mais bon. Allez, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Allez, donne-moi un cœur. Du temps, mais encore mon goldshot était vraiment bon, mais je perds une quinzaine de secondes sur le fait d'aller chercher les flèches. Thank you.
C'était nul. Slash. C'est la fin. Pas loin du 27 hein, parce que sans cette erreur against Tower et avec un 1-1 c'est bon hein. Parce que j'ai quoi, j'ai 3 j'ai 2 warp 3 warp je crois que j'ai 3 warp donc ça va. Mais le 1-1, bah, il me coûte, une dizaine de secondes. Et mon erreur against Tower me fait perdre au moins 10 secondes. Hein. Donc à Ganym, c'est un 50, 6-50. Parce que je peux avoir encore un peu mieux. Mais c'est un vrai gold. Mais je sais que j'avais un split, mon gold précédent avec 1 blue ball et 53, donc je sais que je vais avoir un 47. Ensuite, 23. Bon, reprenons, ouais, 6-34, c'est pas terrible. Je savais que Eastern n'était pas bon. Desert était pas mal, mais le problème c'est que j'ai 6 cycles. Hein. J'ai 5 ou 6 cycles sur le combat. Hera, qu'est-ce qui s'est mal passé à Hera? Je sais plus. Il y avait des trucs bien pourtant. Hein. Le donjon globalement était pas mal. C'était peut-être avant, je ne savais pas. Ah oui, oui. J'ai raté le setup sur le. Sur le fake flipper, j'ai fait une transition d'écran. Ouais, j'ai fait un peu de la merde au début aussi. J'ai tenté à Ganym, c'est bon. 6-23, c'est bon. Des erreurs, mais 6-23, c'est bon. Enfin, je veux dire, je signe les deux mains pour un 6-23. Ah, Sifstand, on en a assez parlé, il y a pas mal d'erreurs. Enfin, il y a deux grosses erreurs. Qui me coûtent un gold. Skullwood, j'avais un doute, mais c'était vraiment pas mal par rapport à la merdasse que j'ai fait après. C'est un 37, 36. Ouais, ça, c'était sans la grossière erreur, c'est un gold de sur mes nouveaux splits, mais je pense pas assez bien pour un vrai gold. J'ai raté le spin speed aussi par exemple, ça coûte cher mine de rien de rater le spin speed maintenant. L'avantage du présent setup, bon, c'est qu'il fallait avoir des dashs très précis mais il n'y avait pas de spin speed à faire. Ouais, globalement mes spin speed, mes item dash ont été vraiment nuls à chier, surtout sur ce run.
Ice, ça a été mauvais là. On a le début était pas bon. Et purement de ma faute là, le garde rouge sur lequel je perds deux cœurs, c'est de ma faute. Je dois faire mon dash malgré tout. Je perds deux cœurs à cause de ça et ensuite ben ça devient plus compliqué. Et le combat était pas bon. Swamp, ouais, j'avais dit pas terrible, mais que, enfin, descend dans le sens que je pensais gagner un peu de temps. Rien de folichon. Mais rien d'atroce. Ah, ouais. Myers, ce que j'ai dit aussi, je gagne du temps. Pas Gold, mais je gagne du temps. T-Rock, je suis assez curieux de savoir, c'est un 21. 20, ouais, 20.4. Ouais, 20.4, c'est pas mal, c'est pas mal. Perdu du temps en allant chercher la fée. Et j'ai raté le hookshot sur la lampe. Enfin, je l'ai pas tenté au moins, c'est l'avantage, c'est que je savais que je l'aurais pas, donc je l'ai pas tenté. Et champs moyen. Et le roller hero moyen aussi. Alors que j'avais les beams moyen parce que j'ai raté le coffre. Gunst Tower, je perds à peine du temps, c'est un combien quoi ça. C'est un 48. C'est un 47 quoi. Et c'est un 47 les gars. 47 en allant chercher le coffre avec les flèches. À droite, dans la porte de droite. Et Ganon, bon, un pourri, mais. La pression. On l'a fait! Next stop, 1.27. Je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours soutenu. .23-42 après Ira, quand on y pense, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. 30-32. Je veux dire, un jour, il faudrait quand même que je considère, je devrais peut-être essayer d'avoir des sub 30 hein, pour Aghanim. Ouais, c'est 0 Blue Balls. Si avec 3 Blue Balls, ce serait pas un PB. Hein. Ça fait relativiser hein, parfois ce jeu. Mon 46 était meilleur que ce run là. Et mon vrai PB, mon faux PB et mon vrai PB était meilleur que ce run là. Comme j'ai dit, hein, 23-42 après ERA. Honnêtement, je pense qu'il serait vraiment temps que je grind un petit peu. Que je regarde un petit peu du Master Sword de 3 streams parce que c'est pas possible quoi. Mais après je run pas contre mon PB, hein. Je run jamais contre mon PB maintenant. J'attendais d'avoir quelques runs pour que mon balance PB représente quelque chose. À partir de maintenant c'est sûr je run contre mon balance PB. Hein. Non mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi mauvais sur Light World. Mauvais entre guillemets, hein, par rapport à mon Dark World. Comment ça se fait que mon Dark World soit infiniment mieux que mon Light World?
Avec ça, je passe troisième français d'ailleurs, je crois. Il était temps que je cut Jean-Claude. Bon, je cut. Voyons un peu qui je cut avec ça.